Bonjour, Salon de la plongée à Paris du 10 au 13 janvier, pourquoi y aller? Toute la réponse à cette question dans cette vidéo. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques. Alors la thématique de cette vidéo, c'est pourquoi aller au salon de la plongée. Alors le salon international de la plongée sous-marine, déjà, il a lieu du 10 au 13 janvier. C'est porte de Versailles, hein, et c'est un des plus grands événements. C'est le 22e salon exactement, et c'est là que vous allez avoir la possibilité de rencontrer des tas d'interlocuteurs du monde de la plongée. Donc ça veut dire quoi, hein? Vous allez pouvoir rencontrer la Fédération française de plongée, par exemple, un syndicat professionnel qui est aussi école comme l'ANMP, hein, l'école de plongée française. Vous allez pouvoir rencontrer les organismes de certification comme PADI, comme SSI, comme TDI, SDI. Vous allez pouvoir rencontrer certains constructeurs, pas tous, hein, il y en a certains qui boudent le salon, hein, c'est l'occasion d'échanger avec eux sur les nouveautés matérielles. Vous allez pouvoir rencontrer des revendeurs de matériel, hein, qui généralement pour l'occasion du salon font des bonnes promotions. Et puis vous allez pouvoir aussi rencontrer des tas de destinations, hein, soit des centres de plongée qui viennent eux-mêmes se présenter, hein, des centres de plongée exotiques, on va dire, hein, étrangers, ou des voyagistes, hein, comme Dune par exemple, hein, qui est le voyagiste avec lequel je travaille, utilisant leur base ici à Marseille et organisant des voyages avec eux également. Donc c'est vraiment une occasion de rencontrer des tas d'interlocuteurs. Sans oublier, bien sûr, des associations de défense de l'environnement, hein, comme Un Océan de Vie, hein, qui est présidé par René Uzet, hein, un grand vidéaste sous-marin, hein, mais c'est aussi des tas d'autres associations qui sont présentes. Donc le Salon de la plongée, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des personnes, que ce soit des agences de certification, des constructeurs, des voyagistes, des centres de plongée exotiques, où vous pourrez planifier vos plongées. Hein, donc, pour me rencontrer, hein, moi je serai sur le stand Aquadomia, hein, le stand L33, N34, si je me souviens bien, hein, c'est sur le stand TDI-SDI. Hein, le stand TDI-SDI, c'est un immense stand avec plusieurs plots, hein, donc n'hésitez pas à bien chercher pour m'y retrouver. Hein, généralement, vous me reconnaissez mon petit bandana rouge. Et puis, ce sera bien sûr un plaisir de vous renseigner sur les formations plongées à Marseille, Parc National des Calanques, hein, pour votre formation du débutant en moniteur, ou aussi bien sûr sur notre université d'hiver qui a lieu en février en Martinique, hein, donc dépêchez-vous si vous voulez encore vous inscrire, il ne reste que quelques places. Voilà, donc le Salon de la plongée, si vous arrivez à y venir malgré les grèves, c'est vraiment une occasion sympathique, et puis c'est l'occasion de rencontrer des tas de plongeurs et de faire partie de cette communauté. Hein, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, hein, si vous-même vous avez des informations additionnelles à ajouter sur le Salon de la formation, sur le Salon international de la plongée sous-marine, avec bien sûr un petit bonjour, une formule de politesse, sera beaucoup plus sympa. Même chose, hein, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée, découvrir la biologie sous-marine.